Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une intro avec un titre de style manuscrit dans Filmora. Restez avec nous. Salut tout le monde, vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora ici pour vous aider dans vos projets de montage vidéo. Alors avant de commencer le tuto, il va vous falloir Filmora que vous pouvez directement installer depuis notre site internet filmora.wondershare.fr. Une fois que vous l'avez installé, n'oubliez pas également de liker cette vidéo, de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas louper nos prochains tutos. Il y a beaucoup de grosses annonces qui arrivent, donc on aimerait que vous ne loupiez pas ça. C'est parti pour le tuto. Alors, dans un premier temps, glissez le titre par défaut dans la timeline. Double-cliquez ensuite dessus et sélectionnez votre police signature ainsi que sa taille juste ici. Alors, vous pouvez récupérer une police de type manuscrite sur un site spécialisé sur internet comme dafont.com. Il existe pas mal de sites comme ça un peu partout maintenant sur internet. Faites un imprimé-écran et sauvegardez-le en format PNG pour garder uniquement la police et rendre le fond transparent. Double-cliquez ensuite sur le titre. Rendez-vous dans les options avancées. Sous l'onglet Animation, choisissez Typographe. Ensuite, faites glisser la poignée de fin de l'animation tout à droite et la poignée de début de l'animation légèrement à droite. Le but ici, c'est de créer un effet qui permet d'augmenter la durée de commencement de l'animation très légèrement. Cliquez ensuite sur cette icône pour cacher le titre. Maintenant, on va faire glisser l'imprimé-écran de tout à l'heure dans la timeline, piste 2. On double-clique dessus pour se rendre dans l'onglet Masque et on clique sur la ligne simple. D'ici, on coche la case Inverser le masque. Donc l'idée, c'est de couvrir l'imprimé-écran. Pour y arriver, on va faire glisser la ligne du masque vers la gauche. Augmenter l'intensité de son flou sur environ 10 ou 15. Et on ajoute une image clé tout au début de l'imprimé-écran. On se rend ensuite à la seconde 2 ou 3. On glisse la ligne du masque tout à droite pour révéler le titre. On affiche le titre par défaut et on lui coupe à peu près 5 à 10 images. Alors on va ajouter maintenant notre vidéo de fond en dessous des deux pistes sur lesquelles on vient de travailler. On ajuste ensuite la vidéo. Donc ici, on va augmenter sa vitesse par 2. On va placer la signature vers la moitié à peu près du clip de fond dans la timeline. Une fois fait, on diminue son opacité de 20%, donc on le met sur 80%. Et enfin, pour ajouter un peu d'effet en plus dans la vidéo, on va opérer une découpe quelque part au centre et se rendre ensuite dans la catégorie des transitions tout en haut. On va glisser la transition dissoudre entre les deux morceaux de clip qu'on vient de couper. On modifie la durée de la transition sur une seconde en double-cliquant dessus. Et une fois que tout ça est fait, dans la catégorie des effets, donc tout en haut, on recherche l'effet carré flou et on l'ajoute à la partie droite de la vidéo de fond qu'on a coupée tout à l'heure. Ajustez simplement sa taille et son opacité. Voilà, vous savez maintenant comment réaliser ce super titre style signature
pour vos vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors, une fois encore, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Beaucoup de grosses annonces arrivent très bientôt. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto. Restez créatifs.